Matt Pokora fit Fally Ipupa pour Lima du JO 2024, donc les Jeux Olympiques de Paris 2024. Matt Pokora sera en featuring avec Fally Ipupa pour la chanson promotionnelle de cet événement. L'artiste musicien Fally Ipupa a annoncé, nous allons parler de cette émission. La merveille. Master de la presse, pièce contre pièce. Aujourd'hui, je vais mettre un terme au débat congolais-congolais. Une star ne prend pas de l'eau dans une prestation scénique. Ici, on voit Michael Jackson, Fally Ipupa, Rihanna, Beyoncé et autres prendre de l'eau dans une prestation scénique. C'est entre des stars planétaires. Regardez la photo. Faisons la téguinette. Elle a combien, madame? Combien de kilomètres? 26. Non. Le temps de... Non, le temps de l'amener ici, quoi. Non, 26. Non, moi, faut que je vois. Non, madame, je crois pas. 26. Non. Faisons un compte. Aux ans de ma voiture, vraiment. Salut mesdames et messieurs, salut aux warriors de monsieur Fally Ipupa, salut aux fans et mélomanes de la bonne musique, salut à tous mes abonnés, un grand merci du fond du cœur de continuer à liker, à s'abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien manquer. C'est votre bel et bien humble serviteur, le master de la presse, le général, le défenseur de l'artiste musicien Fally Ipupa, porte-parole de tous les warriors dans le monde. Un prochain numéro de cette émission, l'émission 100% Fally Ipupa. Aujourd'hui, on a plusieurs choses que nous allons parler, plusieurs choses que nous allons partager ensemble. Nous allons parler de Fally Ipupa. Donc, je vais vous demander d'abord à rester jusqu'à la fin parce qu'il y a beaucoup de choses que nous allons pas dire au début, on va le dire à la fin. Il y a beaucoup de choses que nous allons pas dire au milieu, on va le dire à la fin. C'est la fin qui justifie le moyen. J'ai toujours l'habitude de dire. Et la Bible nous réclame, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement, voilà. C'est ce qui est très, très, très important. En tout cas, nous allons vraiment faire des efforts aujourd'hui d'être vraiment focus à Fally Ipupa parce qu'il y a plusieurs informations que nous allons partager avec vous. D'abord, nous allons commencer, comme vous avez vu le sommaire d'aujourd'hui, nous allons commencer à parler de Fally Ipupa au JO. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Est-ce que Fally Ipupa va représenter l'Afrique au JO? Le JO, c'est les Jeux Olympiques. Donc, les Jeux Olympiques 2024 qui va se passer à Paris. Hier, l'artiste musicien Matt Pokora a mis de l'eau dans notre vin. Matt Pokora a expliqué qu'est-ce qui réellement va se passer. Donc, en tout cas, on a vraiment hâte d'écouter la chanson qui va sortir d'abord pour les 10 mai. Donc, cette chanson-là qui va donner la couleur de ce qui va se passer au JO. On croise les doigts et Master de la Presse va vous expliquer vraiment qu'est-ce qui va se passer. En tout cas, nous allons procéder à une première vidéo de cette émission. La première vidéo de Fally Ipupa de cette émission, nous allons prendre... Paris, La Défense Arena, le concert continue toujours à faire des challenges, des vrais challenges. Et challenge t'es à l'Okuta, challenge force t'es. C'est un concert qui est resté. Il y a un autre bien, tout, il y a France, tout, il y a Europe. Donc, on va parler de ça après cette vidéo. Donc, prenons la vidéo maintenant. Paris, La Défense Arena, challenge. Prenons la vidéo maintenant. Oh!
Bon gars, bébé, Johnny Maka depuis la Norvège. Voilà, mesdames et messieurs, Paris, la Défense Arena, les meilleurs concerts africains de tous les temps, en Europe et partout. C'est un concert qui est resté. C'est pas un concert qu'on a forcé. C'est pas un concert que non. C'est un concert qui est le temps fort de ce fameux concert est resté dans la tête des gens et on voit des challenges. Ça se passe partout. Ça, par contre, les en mariage où vous êtes en train de voir, je vous avais mis des challenges de ce fameux concert chaque jour dans cette chaîne pour montrer la grandeur de l'artiste Monsieur Fally Ipupa. C'est pas un artiste qui fait des choses qui passent inaperçues, mais c'est un artiste qui fait des choses qui restent. En comblant ça, parce que l'événement de Paris La Défense Arena, ses répétitions étaient liées à aussi OVO Arena Wembley et la UNG Arena en Belgique. Donc, tous les trois concerts-là, ils étaient liés à spectacle encore parce que c'était des événements des arenas. Donc, ça va se suivre, je sais pas. Mais maintenant, on a LDLC Arena, il faut même pas, je vous avais dit, il faut même pas suivre les cochons, il faut même pas suivre des mauvaises langues, il faut même pas dire et suivre des idiots. C'est moi qui a de vraies informations. C'est moi qui va vous présenter des vraies informations. C'est ici que vous allez connaître. La salle LDLC Arena est presque pleine. La salle est presque pleine, donc fallait ôter Karaba Faux, sortir dans ma place à Mike Tikali, mais on va vous informer la salle qui est. On a réservé 16 000. On a filmé les binômes. Tout y a salle. Et on a ok, on a à Paris, parce que on a Lyon. On a cause à attendre, on a salle à Paris, la Défense Arena, pour un concert en exclusivité, mais il y a propre na image, il y a. Il y a 4 cas, on va saluer une personne déjà à Belgique, à Zotin d'Ape, bah, soutien, à Eto, PCP, Mbote, parce que, bah, tout au bas, PCP, bah, soutien, photo soutenir, bah, on combo, na, Guy Mumbata. Donc, Guy Mumbata, le vieil Guy Mumbata, depuis Bruxelles, depuis la Belgique, n'a fait sur Mbote, et puis, t'au PCP, Mbote, n'a pas tout, bah, soutenir, Chanon, Moutlo, voilà. Johnny Maka depuis la Norvège, ma sponsor au Bakomi Penako ko pesa moi et loco pour un voyage aux Zoya et à Lyon na à Bordeaux. Donc numéro nanga, mon numéro est là, c'est lui qui veut rejoindre Guy Mumbata et Johnny Maka depuis la Norvège, n'a pas soutien, n'a pas aide d'Abino, parce que j'ai fait ça avec mes propres frais, donc non, qui nous défendent, tout qui ça promotion, tout on dit ça sale, tout qui ça Makambo, je dois prendre les hôtels, je dois prendre l'hébergement, je dois prendre beaucoup de choses, j'ai un visa de travail. Je dois prendre l'avion, il y a trop de déplacements parce que vous savez, de Lyon jusqu'à Bordeaux, ça fait à peu près 8 heures du temps. Ils ont Paris, Kinshasa, en avion, donc c'est très loin. Et puis, déplacement, il faut dans un hôtel à Bordeaux, il faut dans un hôtel à Lyon. Donc, vrai warrior, c'est Pelarana Moussala, il y a Master de la presse, c'est lui, numéro, ils ont contacté sur WhatsApp, je suis là, je suis ouvert, on va parler. Je parle bien des donateurs, donation à partir de la chaîne, comme on a place pour moi, il faut donner, quelque part, on a assez à la vidéo, tu as placement à dollars, on a cliqué. Tu peux donner à partir de 1 euro, 2 euros jusqu'à ce qui est au linga. Donc, il faut aider pour tout ça, la moussala en bonne et difforme. C'est pour un très bon travail, un grand travail pour Fally Ipupa. Ce qu'on a fait à Paris, la Défense Arena, c'est à la mouquille. Tout ça, la Oyo et l'équipe Paris, la Défense Arena, parce que chaque événement est en grandeur. Même à Lyon, sauf que nous avons parti les premiers, les deux à Lyon. Dans ce là-bas, 5 jours, il faut vous soutenir la chaîne pour nous présenter une image à Lyon. Maintenant, il y a 4 jours à conseil, puis dans une zone, on a vendu à Lyon, 3-4 jours. Comme ça, bon, on a Maramounen et les caca. On a besoin, bon, malgré tout ça, numéro est à contacter. Et puis, dans le YouTube, vous pouvez déjà envoyer vos soutiens à ce qui concerne le maçon. Merci Navier Guy, merci à Johnny Maka depuis la Norvège et tout le monde. Merci Nabino Nyoso. Voilà! On va revenir à notre mouton. Le concert de LDLC Arena est presque plein. La salle est presque pleine. Bokende Kolanda Bazo Bate Bato Bawe Okosabino. Non, c'est moi qui va vous dire de vérité.
achetez vos billets si vous n'avez pas encore eu de place. S'il n'y a pas de place à revendre, prenez la fosse. Ils appellent ma BT. C'est une manière, une façon de soutenir son artiste. Donc, prenez la fosse, achetez et faisez tout ce que vous voulez. Nous, on va venir pour soutenir l'artiste et aussi pour montrer à l'artiste que non, il est le meilleur de toute sa génération. Et aussi le meilleur de tous les temps. Donc, c'est comme ça. Voilà. Mesdames et messieurs, qu'est-ce qui va se passer? Après les fameux concerts de Fally Ipupa, nous allons aller à Bordeaux. Je vais faire des efforts peut-être d'aller jusqu'en Belgique. S'il y a vraiment de moyens, bah, peut-être soutenir bientôt comme à Ti Belgique, toi même non. Bah, parce que Fally il est 16 fois bête en Belgique. Donc on s'en peut-être fort dans la Belgique. Ce qui va moins aller. Les concerts aux la show ban à Bordeaux, bon son barabillé, ils ont poussé na sold out aux la décréter bientôt dans muta ko sabinote. Muta même la bino mama qui on a te au son non, ici ce n'est pas les empires des maquion, ici on fait pas ba to ça ba journalisme on a nzalaté, to ça la honte parce que son non la na musala nanga, mais ba soutien pays d'aka et puis to ça la on peut linga rafali. Parce que sobiso tora tembele batuba zwa lokuta ba lekisa on a place à vérité. On va pas laisser le mensonge dominer la vérité. Ya on tout monde va blo à lokuté zobi manangombo mama na biso mama na na ketcho bino bo mona wa mobile à 1 mètre na moi c'est 2 mètres. Mobile à mon cou c'est vilain na moi c'est 2 mètres. C'est vraiment des salades qu'on va même pas s'attarder à ça. On va prendre la deuxième vidéo de cette émission. La vidéo où ça nous montre Fally Ipupa, comment est-ce qu'il est en train de gagner sa vie et comment est-ce que Fally Ipupa a zolia mbongo vraiment ya musique. Dans une vidéo, tout le monde, et puis on va revenir pour aller maintenant à Marambouya Jio, Mat Prokora Fally Ipupa, chez toi, chez moi donc. Masola si que zoya Jio de Makambo. Voilà, et puis dans une vidéo, Fally Ipupa na président na biso. Débakoutana en appareil. Prenons la vidéo maintenant. Fally Ipupa, hein, a voiture et à Sika et sachet. Prenons la vidéo. Je sais pourquoi j'aimais cette vidéo. Prenons la vidéo maintenant. On va diminuer les sons pour le droit d'auteur. La chanson de Fally Ipupa a trop de droits d'auteur. On va diminuer ici aussi. Benzem va falloir à trop en bas droit d'auteur. Ici, il n'y a pas. 26 km à l'église. Présent la cicat. Présent la cicat. Présent la cicat. Présent la cicat. Elle a combien, madame? Combien de kilomètres? 26. Non. 26 km. Il fallait son car il y a Sika. Mercedes à Sika. Non, 26. Non, moi, il faut que je voie. Non, madame, je ne crois pas. 26. Donc, 26 km. Non. Ah, ma qui on a fait quoi? Oh, ça de ma voiture, vraiment. Par contre, le coffre, il n'y a pas de coffre. Il y a un frigo. Non, mais si je veux voyager, moi je mets ma valise. Là, il y a une valise, là et là-bas. Tu peux le démonter celui-là, mais tu n'auras pas le. Non, je vais montrer rien. Frigo dans 4 sacs. Là, on va mettre, on va boire du whisky. Moi, Fefe, aucun mouvement. Aucun mouvement. Une voiture tira le bob et quand même un moment. Place beaucoup, place beaucoup, mais tu es comme moi dans la photo. Ça, c'est bien, c'est ça. Mais tu es comme moi, non? Là, on va faire là. Et on peut s'asseoir à terre pour te dire, non, va t'asseoir. Pourquoi tu es comme moi? Maman Zan, tu vas faire la voiture en dernier. Et j'ai quitté, on a passé en beauté. Maman Zan, tu. Bon, Eric, il faut que tu viennes nous expliquer pour. Pour Maman Zan, tu as un biso. Ah, c'est la nouvelle de se brancher. Bluetooth. À partir du Bluetooth, faut qu'on la car. Car sachet. Donc, à 0,00 km, 26 km, c'est seulement des bâtiments, on a place avec l'angle.
Tu places la même main en haut donc. Carpenet à 0-0-0 kilométrage. Roma Stekito Makiona Toba Aventure. Tu as 26 km. Où tu n'as saché? Maman Zando, ça dit. Si Fali met la chanson, on va diminuer le son pour le droit d'auteur. Donc vous comprenez quoi. Regardez à la télévision, même derrière. Hein. Dans ma TV partout donc. Dans les commandes à l'arrière aussi. Voilà. Merci, ma paix, mon salam, amour quoi. Ça, c'est la Mercedes de Fali Poupa Somba. Il y a Sika, il y a Saché. Donc là, ça, c'est pour mettre la bouteille, le verre. Ma bouteille, mon verre de whisky. Car un mouvement, madame. Ça s'enlève. Ça s'enlève. Du coup, c'est quoi? Ah, l'iPad, on peut la gérer. On peut gérer les télés, la radio, tout. Tu veux déconnecter le téléphone? Ouais. On va diminuer le son pour la musique, là, qui arrive. Là, je regarde bien pour bien comprendre. Là, du coup, on met en wifi et on connecte. Là, il se connecte à la voiture. On va démarrer le système. On va tester Tokos Gold. Voilà. Bon, on va mettre la chanson, je crois. Il y a des chansons droit d'auteur qui est revendiquées, excusez-moi, aux arts YouTube. Donc là, c'est la radio. Mais nous, on utilise souvent tout ce qui est Bluetooth, le téléphone. Donc, on va média. Dès qu'il va relier son téléphone. Pas de téléphone raccordé parce que c'est pas. Là, en fait, on va là, voilà, c'est bon. Donc, il nous en va falloir jouer. On gère d'ici. Bon, on a mis une chanson de Fali, on appelle Silence. Silence. Il nous faut quoi? Il faut l'iPad pour démarrer à distance. Donc on peut démarrer la voiture à distance avec l'iPad déjà. Donc on peut utiliser cette voiture à distance. Bon, on a mis une chanson qu'on appelle Silence de Tokos de Gold. Donc ça c'est la chanson Mon Nzambe. Donc on va pas assez laisser le droit d'auteur nous gangréler pour ne pas travailler pour rien. Voilà, c'est la chanson Mwana Nzambe, comme on a toujours l'habitude de dire, la Fali Poupa, enfant de Dieu. Bon, c'est déjà testé la voiture. Trop de droits d'auteur, Donc on va diminuer vraiment le son. Zéro, zéro kilométrage de la voiture, elle est neuve. Donc l'artiste a acheté une nouvelle voiture neuve en 0,0 kilométrage. Donc bon, on a Libanda, tout. Ça, c'est le devant de la voiture. Quand on se rapproche là-bas, on doit se diminuer. Ce qu'il fallait niveau protéger l'image, là, ça, on a essayé vraiment énorme. Donc, il y a une chanson dedans. Donc. Voilà, l'intérieur de la voiture se présente comme ça. On peut commander cette voiture par iPad à distance, donc on peut dire. La voiture est comme ça à l'intérieur. C'est une voiture neuve, 0,0,0 kilométrage. Donc, voilà. Les retombées à Moussala, quoi.
Tout le monde n'a jamais artiste et musicien congolais à son voiture. Il y a Saché et Asik. Non, mais bien artiste et musicien. Mercedes. Abimé, non, il y a un temps pour la ronde. Voilà, voilà, mesdames et messieurs, pourquoi j'ai mis cette vidéo. Fally Ipupa est le premier artiste musicien, pour dire le seul artiste musicien congolais, à avoir acheté une voiture neuve, 0000 kilométrage. C'est pas seulement ça, on lui a vu acheter une voiture ben clé, Torzong Selabinova, parce qu'il va avoir ça. Tozong Selabino ba récapitulation va blorabwe. C'est ça le retombé d'un bon travail. Le fruit de son travail. L'artiste musicien a acheté une voiture 0000 kilométrage. Le 26 kilométrage là, c'est seulement de là où on a pris la voiture pour ramener. Parce que la voiture au Pumbate était côté garé wana. Bon, on a la Kumba, 26 kilométrage et le retour. Voilà comment un artiste, quand il gagne son argent avec sa musique, parce que Fally a gagné un bon monandou le naya à Salaka. Il gagne son argent avec sa musique. Fally a salara kop moussous toi, mais azaba bon, d'autres business, oui, mais trop l'eau parce qu'on a un bon opéna, Fally a kout ramaka, c'est avec la musique. Bah contrat, bah Paris la Défense Arena, bah Ovo. Bah, parce que Fally est produit par des vrais producteurs. Ce n'est pas des Congolais, ce n'est pas des Africains. Bon, on n'a pas dit que les Africains ne peuvent pas produire, mais on sait, la plupart des Africains ne sont pas professionnels, il faut dire la vérité. La plupart de nos producteurs ne sont pas professionnels. Ce sont des producteurs marabouillés. La plupart basés sur Yété, donc il ne faut même pas les prendre au sérieux, parce qu'un blanc, quand c'est quelque chose qui a le contrat, bah, il respectera, on ne la respectera le contrat. Les lobes de bagang, montre-moi qu'un seul musicien congolais qui est allé n'a entreprise au bord de la voiture, à sombi voiture, abîmé la voiture à Sika, à sombi voiture à Sika. Un seul musicien congolais, ça n'a jamais existé. Bango tout, bakin dans son bord de voiture, il y a cop. Voiture, montre-moi à salé, il y a salé la combien pendant 2-3 ans. Eux, Ferrari, eux, Benclos, eux, Nia, combien pas. Fallait pas en dos, son babon, on a cala. Oui, tout beau était. Mais niveau, il a fallu aller le comme un niveau moral extraordinaire. Bon, mon amour, là, ta bague, il y a 20 000 dollars, 20 000 euros. Mon amour, là, ta montre, mon pena, bête, pena, montre, pena, boue. 100 000, 150 000. Parce qu'il y a un bon, il y a un haut. Il peut faire ses folies. Mais ça, bon, on va tolo, t'es bon, on s'enga, t'es bon, on benga, bibenga, benga, t'es. L'artiste, un musicien, Fally Ipupa vit de sa musique. Pourquoi je mets cette vidéo? Cette vidéo doit enseigner aux artistes musiciens. Dès d'abord, commence. Parce qu'il y a un mikoba et monsieur Ngomba court. Dès d'abord, commencer à faire des choses bien. Arrêter avec des choses là qui sont, on appelle ça les à côté. Focalisez-vous. Parce que même si vous créez polémique à niveau nini, même si vous m'aimez les bisous, banani, ba fing, ma fing, kangama, nanzo, tout est, et puis, souka, akana, communauté. Ça reste que chez nous, les Congolais, en dehors des. Et puis, le pire est quoi? Ces gens-là vont insulter en lingala. Donc, vous insultez en lingala, ça reste que à la communauté congolaise. Et plus encore, ça reste que à la communauté stupide. Bato baza bazoba, bato baza ridicule, bato baza non-sens, nde bakozwa bagobe babuzo banabino. Des personnes intelligentes comme nous, des personnes qui ont fait des études, des personnes sages, des personnes qui savent jauger, faire de recherches et consorts, ne vont jamais gober vos stupidités. Ça reste à la communauté et à la communauté idiot, comme on peut dire. Pas tout bas maïl était des moins intelligents,
de vos mona bango ba partager ba cha bloko ya nana ketchup et consomme à les années 90, trop de saleté, trop de stupidité. Ça va rajouter zéro héros quand vous venez mentir à la télévision. Ça érobète sa album à Messia héritier on a zo bunda na album. Ce qui réellement qui le chroniqué à wana ba sala ra musala ya solo ya promotion. Ba beti sa dynastie, ba beti sa album na bossa na mi comme album héritier. Ba beti sa album na. Ce qui réellement ces gens-là font la promotion à solo. Ce qui bango tout bazana li boké ba sangane pemeni ya Hervé. O baron benga na Côte d'Ivoire tantine Jacqueline. Ba beti sa album à Jacqueline. Babette, c'est l'album Dynastie Bima, 19 featuring, 45 chansons. Nyon se kouya na maï. Attendez un bon mot qu'on a accroché zate. Biso formule, c'est Divunga. Tu sais, bino formule, c'est Teloa Lévir. Seul artiste au bang a formule, c'est ce que les cabas artistes tous a fallu. Il m'a fallu à Zobang album, n'est-ce pas? Parce que formule, c'est d'abord, à part ba disque d'or et bendi, à part ba blog et sali. Mais à maman na album pour tout na monsieur akongwa ba ba na pena ba na na bango a soani na mère a tchena ba écouter tout na voiture yo ka formule 7 pour tout na bango ba ebilo ba yo ka ba mi tout na mère tipo la diable tipo a monta nene nino ya ngoma tu pourquoi à comprendre avant tout que ne na sije ma pourquoi to tcha rencontre ya fali pour pana président de la république. La vidéo c'est pas moi qui a partagé. La vidéo est partagée par la présidence de la République. Non, bien, la présidence de la République démocratique du Congo. Et plutôt, qui est un sujet qui est un star. Toujours, ouais, vidéo. Je suis un dossier. Il y a Matt Procora pour t'expliquer bien. Tout qui est une vidéo, à chef de l'État rencontre. N'a fallu plutôt les cavites fait n'a pas beau ou ils avaient vraiment important pays sous et autre chant en souk à tout ça vidéo à chef de l'État. Prenons la vidéo, la rencontre des présidents de la RDC et Fally Ipupa. Prenons la vidéo, bota la binomoro. Prenons la vidéo maintenant. Oh. Fally Ipupa est le seul artiste musicien congolais. Quand il rencontre des autorités, il ne demande même pas un dollar. Je répète, Fally Ipupa est le seul artiste musicien congolais de Kinshasa. Quand il rencontre des autorités, il ne demande même pas un dollar. Il a rencontré Gentil Ngobila en étant gouverneur de la ville de Kinshasa. À l'avion, il n'a demandé au... Gentil Ngobila l'a dit, j'ai été choqué. J'ai rencontré un musicien congolais qui m'a demandé rien. Gentil Ngobila Zolo Babongo. La rencontre que vous avez vue, c'était à Paris, où Fally, président Abisso Ayakipa Beta Bale, Ndengeka Ezalara, Ayabeti Bale, Namwa Namboka, Na Aigle, Fally Ipupa, sans pourtant demander et loco moko a président Aliété Nzala ba musicien Tolia Tolini Tolia le seul artiste musicien congolais aujourd'hui quand il rencontre des autorités ne demande même pas un dollar. C'est un respect, il faut respecter cet artiste pour abonga à l'équipe abate belé na bala fallait un multimillionnaire. En passant, nous allons parler de ce que les Ngolo ont créé, des fanatiques révoltés. Oh, artiste Amelarama, il était sur Azoyemba. Quelle stupidité! Quelle stupidité! Oh, artiste sur Azoyemba, mais là, montez la photo aux Obimasikoyo. Dans la photo, on a des artistes Oyobaleki, artiste Nyonso ya Congo, pour ne pas dire que Nyonso ya Congo. On a Fally Ipupa Oaleki, tous les artistes ya Congo, na carrière na Mamboutou. On a Michael Jackson qui est le GOAT, le meilleur artiste mondial de tous les temps. On a Riri, Rihanna,
Rihanna à l'équipe artiste Nyonso. Donc, pour moi, je calcule, je mets Michael Jackson, on met R. Kelly, on met Rihanna, on met d'autres artistes. Bango Baba, légende au ya monde. On a Beyoncé au hasard, reine ya pop. Et puis, na Sekuna, na Mte Fio, na Bosanu Kombona. Mais ce sont des grandes stars. Et tous, leur particularité, c'est quoi? Ils ont marqué l'époque de leur génération. Et tous, leur particularité, c'est quoi? Ils ont pris les horizons de leur musique, ils ont envoyé ça dans leur horizon, dans leur continent. Michael Jackson, Fally Ipupa, Rihanna, Beyoncé et la star où elle est à côté, j'ai oublié son nom, beaucoup mélangé dans les commentaires. Leur différence, c'est quoi? Ils ont changé l'image de la musique. Michael Jackson a amené ce qu'on appelle l'innovation dans la musique. Il a amené quelque chose de nouveau. Rihanna a yé na ba blog na yé ba Caraïbe. A même yé na musique à États-Unis. Bo ka bi na ba ram pa pa pa, ram pa pa pa, ram pa pa pa. Man down, mama, 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 I just shot a man down. Bon sentir. Moutoukou Michael Jackson a une danse, a une spectacle, a une image dans un concert. Non, comme appelle un temps fallu. Beyoncé a une pop moko a sikapena. Fallu pour pas à moderniser musique rumba. Alors, les musiques rumba, il faut mettre un paka djuma, il faut mettre un ngaba. Parce que musique rumba, avant fallu, ils ont une musique limitée. Ils avaient musique à ma papa, ils avaient musique à ma maman, c'était une musique de grandes personnes à Mikolo. Le jeune ne voulait même pas écouter la musique rumba, bando que yoka na boba Rihanna, bando ka ba rapper, banane, banane, ba français, conso. Avant Fally dans Zolo Babien. Musique rumba, la musique, est-ce qu'on a pas Kajuma, est-ce qu'on a ngaba na ba quartier moro enclavé na Kinshasa. L'arrivée de Fally pour par la musique rumba a d'abord pris au babé nga fashion, ba fesse. A latissi non ba jeune ba fesse a lobi non non na ba concert bo la ta ka ba queer te na ba moi ba ni non bo la ta t-shirt bo la ta sangle robi na non na concert za relax Fally a memi an innovation na musique ya rumba a pa wana beti sisko rumba o ba benga ba tokos musique o bo ka ba 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 do intro ya nzembo deja ya emission nzembo et peu sur l'engagement. Et vous rappelez, bam 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 bam. Intro et pression déjà l'ignorance. Donc la particularité de ces artistes que vous êtes en train de voir dans la photo, et ils ont modernisé l'image de la musique là où ils sont, et aussi ils ont ramené quelque chose de nouveau dans la musique. Mais subitement, des gens qui sont faibles, qui sont incapables de faire jouer même une seule chanson dans un album des 45 chansons, vont vous dire, oh non, artiste Azoye Mbamelarama était. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Donc pour vous, si un artiste, j'ai toujours expliqué ça, Michael Jackson chantait, ne criait pas. Mais vous avez dit, Rihanna Zo Gang Azoye Mba. Toboyoka de ya Beyoncé zo ganga ya obiyemba ba demito. Non. Ini wana na isa gibino ya analitoi. Même Michael Jackson a sale la rango, a sale la yango. Eza autotune te ba zo ba, bo excuse nga, donc ba bolole. Eza autotune te za apare, eza babe nga ngo, babe nga ngo retour du son. So go sa ba spectacle la mine des arami balé moussous zo yo ka public. Non, bah, ozo ka mouta backstage na yo, ozo ka menter en scène na yo, moussous ozo ka son en temps réel, donc drummer abeti bou, ozo ki bou, ya propre, son obiso ba, ba fanatique to yo ka na ba fleza, o artiste to yo ka ngosko a propre, pourquoi? Pour chanter juste, a ganga tel ouan de fer a ganga ki, parce que ferre, an yo ka ba son ya ba ba fleza, zon nga kouma na niveau ya tembo wana, bat ba yabi nou lete, ba yabi termote. Donc, faire a besoin comme un timbre, il y a chant au azo yemba, il y a un peu de gang, azo kenda, azo ganga, et bim c'est organe. Il y a hyper yemba na ba demi-ton. Demi-ton, ça ne pas chanter na gamme juste. Sing again, sing again, sing again, sing again. Et puis, on a des voix. Des voix, ça n'est pas bon. Il y a un organe, il y a demi-ton.
Donc, image on a balinga ba pesa ba congolais que oh non, ce qui peine ngani. Non, c'est pas comme ça un artiste doit bercer tout que nanzembo on a pesi bino ya ninyo. Toka Fali Ipupa 8e merveille plutôt que na ici je na biso suka ya mat pokora vite fait to lobela jio. Parce que ba te bel boze lande en tous ce que Fali Ipupa yemba chana e 8e merveille boyo kanenge public na Fali Ipupa ba yemba ti le kuta yemba. 1 minute 30 secondes plutôt que la CGA, Matt Procora. Prenons la vidéo maintenant. Merveille. Zonga, oui, c'est une merveille. Yoka. El Mara. On y va. El Profa. Voilà, mesdames et messieurs, maintenant, un artiste comme ça, vous allez le comparer avec qui? Bon, vous comparez Nanani, ce n'est pas le même level. On y va au JO, Matt Procora, qui publie hier. Matt Procora, Procora a publié hier, on va prendre sa publication d'hier. Il publie dans sa page officielle Instagram et Facebook. Chez toi, chez moi, fit. Mon frère Aigle Fali Ipupa. Des millions de visiteurs venus du monde entier entendus cet été pour les JO, donc JO Paris 2024. On voulait leur souhaiter la bienvenue. Disponible vendredi 10 mai, Paris 2024. La chanson d'ouverture, ou soit la chanson phare, parce que chaque événement a une chanson qui représente cet événement-là. Toro peut sera référence à Waka Waka eh eh Waka Waka eh eh Tamina Mina Tamina Mina This is Africa yeah, waka. Donc, ouais, Shakira, na Coupe du Monde de Betamara, na Afrique du Sud. Maintenant, pour ce JO, l'artiste Matt Procora est entouré avec l'artiste Monsieur Fali Ipupa qui vont faire l'hymne national du JO qui va sortir le 10 mai. Donc, Jeux Olympiques de Paris 2024, pour nous expliquer bah, tout bien. Les Jeux Olympiques de Paris 2024, la chanson promotionnelle qu'on appelle la chanson l'hymne national, Matt Procora en featuring Fali Ipupa. Fali Ipupa va représenter l'Afrique. Matt Procora en Europe, je ne sais pas dans cette chanson si ça s'est limité que Fali et Matt Procora, mais pour l'instant, Matt Procora a annoncé que Fali Ipupa. Officiellement, Fali Ipupa intègre les JO 2024, les Jeux Olympiques Paris 2024. Les Jeux Olympiques vont se passer à Paris, au mois de juillet en été. La chanson promotionnelle déjà va sortir le 10 mai. Chaque événement, chaque chose, il y a une chanson promotionnelle pour cet événement-là. On a eu le malheur en RDC, on a raté. Bon, l'événement était bien, il y a francophonie, mais on a raté, on n'a pas une chanson phare. On devait utiliser sa star, comme Vivendi a utilisé la star pour l'ouverture. On pouvait aussi utiliser Fali Ipupa pour une chanson promotionnelle et une chanson qui va rester, mais ce n'est pas grave. La France a pioché, a pionnier dans
son pays, un artiste redoutable qui remplit des salles, qui fait des choses, Matt Pokora. Et Matt Pokora aussi doit s'organiser avec des artistes musiciens, genre international, où il y a Fally Ipupa qui va participer. On va prendre la vidéo que Matt Pokora a mis, la vidéo promotionnelle à ce qui concerne la chanson qui va arriver. En featuring Fally Ipupa. Donc, je ne sais pas si ce son va garder ou pas, mais on va d'abord diminuer les sons parce qu'on ne sait jamais. Ça peut être aussi une chanson de droit d'auteur. Voilà, on va mettre son son. De toute façon, on va mettre son son. Il n'y a même pas quelqu'un qui a chanté. Donc, ça ne sert à rien. Donc, prenons la vidéo. Matt Pokora, la vidéo promotionnelle de qui va annoncer la chanson des JO 2024, donc les Jeux Olympiques Paris 2024. Prenons la vidéo maintenant. Voilà, c'est cette vidéo qu'on est en train de voir. C'est sans son, hein, c'est fait exprès parce qu'on ne sait pas s'il y a droit d'auteur ou pas. Donc, du coup, c'est comme ça. Voilà, Marc Procois, Abimin Amir. Voilà. La chanson sera disponible à 11h. Donc, les clips pour les 10 mai. La chanson « Chez toi, chez moi » qui va annoncer Bakula. Bon, t'as ce que niveau fallait à commis. Yo moutouma obo za la rasse ki wa piango boe. Oza sa mukanda. O souffrir. O sa. O vivre na mou nga ba YouTube na komba fali. Tu vas venir dire quoi? Ba niveau fallait à commis. Voilà, mesdames et messieurs, c'était l'information d'aujourd'hui. Nous allons se retrouver en prochain numéro de cette émission. Je vous aime tellement beaucoup. Likez, abonnez-vous. Activez la cloche des notifications pour ne rien manquer. C'est votre bel et bien humble serviteur, le général Mastor. Partagez d'abord cette émission dans vos pages respectives. Bolex Image, Bolex Information, JO 2024, donc les Jeux Olympiques de Paris 2024 avec Fally Ipupa. Il intègre officiellement, annoncé par Matt Pokora. Donc c'est ça. Ama Kionezal Rate. Et puis, je suis votre bel et bien humble serviteur, le général Mastor, le défenseur de l'artiste musicien Fally Ipupa, porte-parole de tous les Warriors. Je vous aime tellement beaucoup. Nous allons se retrouver un prochain mois de cette émission. Aglomata, Jeux Olympiques de Makambo. Bisous, bye.